Aujourd'hui, nous avons procédé à des enregistrements en plein air dans la cour du presbytère et faisons des prises de vue avec caméra et appareil photo de 16h à 18h30. D'après Madame Le Gall, épicière d'environ 60 ans, les danses d'autrefois étaient le tour, la ridée et le bal à quatre. Le bal à deux était fort mal vu dans sa jeunesse. Sa sœur, Madame Pierre, confirme cette opinion sur les bals à deux et en général sur toutes les danses en couple. Elle dit qu'au moment de son mariage, vers 1924, on commença à danser la mazurka et la polka avec accompagnement d'accordéon. La principale raison du remplacement du biniou par l'accordéon serait le prix très élevé des joueurs de biniou et bombarde. Au moment du mariage de Madame Pierre, la journée pour un couple de biniou et bombarde était de 100 francs, alors que l'accordéon ne coûtait environ que 50 francs. Le lendemain de la prise de vue, Jeannine Auboyer notera dans le journal de route. Mademoiselle Le Gallic avait dansé le 16 au presbytère. Elle fait remarquer que ce jour-là, on n'a pas dansé une danse qu'on dansait autrefois aux noces. On faisait d'abord une ronde, puis on se met par couple, et les cavaliers échangent leurs cavalières en se tapant dans le dos pour se prévenir. Brusquement, la musique s'arrête et on est obligé de rester avec son cavalier. Souvent, les musiciens connaissaient les préférences de chacun et se faisaient un malin plaisir d'arrêter leur jeu quand ils voyaient un couple mal assorti. La nouvelle de notre présence s'est répandue dans toutes les fermes de Lamblat et tous les voisins sont venus. Mademoiselle Guichon et sa belle-mère ont chanté. Mademoiselle Guichon habite tout près, elle est fileuse.
Elle s'est complaisamment prêtée à ce qu'on la filme en train de filer et de dévider ses écheveaux. C'est demain la noce de la nièce de Madame Le Gall. Le matin, vers 10 heures, les hommes ont commencé à apporter dans le pré où doit avoir lieu le repas les tréteaux et les planches pour servir de table. On a aussi commencé à disposer la vaisselle et les marmites. C'est François Le Gall, charretier de son métier, qui les a apportés. La vaisselle est louée chez Madame Le Gall, qui loue pour les repas de noces et de funérailles les couverts et les récipients. En même temps, les hommes du village plantaient les échelles devant servir de banc. On pose l'échelle sur un de ses montants et on la fixe au sol en l'attachant à des piquets solidement enfoncés dans le sol à coups de maillet. Un homme creuse une tranchée pour poser les marmites au nombre de 6, tranchée dans laquelle on disposera les fagots pour faire le feu demain. Vers 14 heures, la vaisselle est entassée, les tables et les bancs sont prêts et la cuisine prête à fonctionner. De leur côté, les femmes, dont une est la cuisinière, lavent les légumes. Nous avions appris que l'année dernière, pour la Saint-Jean, on avait fait sonner le chaudron avec les gens. Les hommes présents aujourd'hui savaient le faire. L'un d'eux a bien voulu aller chercher des joncs secs chez lui. On a emprunté une bassine de cuivre à Madame Gigot. On a posé la bassine par terre, en la soulevant par un trépied. On a mis un peu d'eau au fond, et le père de Thérèse Gigot y a jeté un chapelet. Un autre y a mis une pièce de 2 sous. Le frère de François Lebrun a pris un faisceau de joncs, les a noués solidement à une extrémité, les a mouillés, s'est mouillé les mains en touchant le chapelet, et il a commencé à faire vibrer les joncs en les tirant comme il l'eût fait sur les pieds d'une vache. Au repas de noces, on a mangé une soupe, 3 plats de bœuf, et le gâteau de la mariée qui le distribue elle-même, le tout arrosé de cidre. Puis on a dansé. Thank you.
le comte de Goulaine, maire de Brandérion, a consenti à titre tout à fait exceptionnel à ce qu'un feu soit exécuté ce dimanche, jour de la fête locale, dans le pré habituel. Il y a chaque année une procession de reliques. La procession se forme à partir de la chapelle de Sainte-Anne. Elle va dans le pré et fait le cercle autour du bûcher. Le bûcher était dressé vers le centre du pré. Il consistait en quelques fagots et le tronc d'un jeune pin. Pendant que le feu brûlait, des joueurs de clairon ont sonné de leur instrument. Comme Joachim Danvik et Noël Le Mouillour étaient présents, ils ont joué également. Puis la procession est repartie dans le même ordre qu'à l'aller, mais par un autre chemin, ce qui lui fit accomplir à peu près un cercle. En même temps que le pardon, la fête communale commençait dès le matin se poursuivait. À la sortie des vêpres, c'est-à-dire après que la procession fut revenue à la chapelle, le comité des fêtes demanda à nos sonneurs de jouer pour accompagner les concours de danse. Pendant ce temps, sur la place se tenaient les concours de chant. Vers 19h, nous avons pu enregistrer les 3e et 4e prix de ce concours, les frères Congratel. Journée à Plogastel-Saint-Germain. À notre arrivée, tous les informateurs étaient prévenus par la bonne du presbytère. Aussitôt après le déjeuner, ils étaient prêts, ce qui nous a permis de filmer des danses et de les photographier. Les danseurs ont été accompagnés par M. Raffalin. Thank you.
danse principalement la gavotte et aussi les rondes. On les exécute lors des fêtes communales, entre autres le dimanche précédant le 14 juillet. Ce sont des sonneurs des environs qui viennent à ces occasions. Les jeunes n'apprennent pas à sonner. Ils apprennent très peu à chanter. Par contre, ils apprennent les danses traditionnelles, mais ont tendance à les transformer. Aujourd'hui, journée à Ploneis. Prise de contact le matin. Après le déjeuner, les danseurs se sont habillés et se sont spontanément offerts pour une prise de vue. Les danseurs ont été accompagnés par M. René Nedelec. Nous les avons filmés dans le pré de M. Guillaume Dedé. Après les danses, Mme Dedé, mère, est venue avec un panier vendre des bonbons aux danseurs, comme aux noces d'autrefois. Après l'hôpital de Carré, nous sommes partis au Sein, où nous avons pris films et photos de Madame Ruffel filant à la quenouille. Malheureusement, il était déjà très tard et les conditions de prise de vue nettement défavorables. Mais comme la moisson bat son plein, c'est le seul moment où nous puissions réunir les chanteurs et danseurs recrutés par le recteur et les abbés du pays. Aujourd'hui, journée consacrée aux Faouettes, où la cour et la salle du patronage paroissial sont mises à notre disposition. Après le déjeuner, prise de vue et photos de danse, entre autres, Mademoiselle Jandé dansant le gymnasca, et étant obligée de le danser seule, faute de partenaire encore vivant le sachant. Après le déjeuner, photos et enregistrements des sonneurs de biniou et bombardes qui ont accompagné les danseurs. Le sonneur de bombarde est aveugle. Il l'est depuis l'âge de 16 mois. Il a commencé par rempailler des chaises, mais des Italiens sont arrivés dans le pays et lui ont fait une telle concurrence qu'il a dû abandonner ce métier.
il se mit à fabriquer des pincettes à braise pour allumer les pipes. On prenait alors du tabac à chiquer. Mais l'usage du tabac à cigarettes et des briquets s'est vulgarisé et il dut de nouveau cesser cette industrie. Il se mit alors à composer des chansons bretonnes qu'il vendait sur feuilles volantes, mais bientôt, la vogue fut aux chansons françaises. Il devint alors sonneur de bombarde pour toutes les occasions pour lesquelles on utilisait cet instrument. Il avait appris à en sonner avec Nicolas Gerbet, le joueur de biniou, vers l'âge de 17 ans. C'est son métier actuel. Malheureusement, l'accordéon supplante de plus en plus le biniou et la bombarde, et il est sans doute sur le point de changer d'activité. Nous avons décidé d'aller au Pardon de Notre-Dame du Kelvin. Nous nous sommes postés sur un mur d'où l'on voyait parfaitement le câble sur lequel devait descendre l'ange. La foule grossissait. On vit apparaître dans le lointain la procession qui était sortie de l'église. Parmi les statues de la procession, il y avait un bateau votif d'assez grande taille. Alors, du sommet de la tour, on vit descendre, équilibrée par un contrepoids, une statue de bois pouvant avoir environ 70 cm de haut, représentant un ange blond vêtu d'une robe. La descente s'effectua rapidement. Lorsque l'ange fut arrivé au poteau, on mit le feu au bûcher qui commença à crépiter. Nous sommes partis ce matin assister à la noce d'Hervé Mahé. Les bagpipes étaient particulièrement beaux, tout en rubané. Ceux-ci jouèrent devant le porche avant la sortie. À la sortie, le marié et la mariée jetèrent des pièces de monnaie à la foule et les enfants se battaient pour les attraper. Nous avons entendu deux habitantes dire que c'était des Parisiens, que les deux mariés ne savaient pas les usages bretons, mais elles parurent apprécier la présence des sonneurs, car depuis 12 ans, il n'y avait pas eu de biniou à une noce à Plomodierne. Puis on se rendit sur la place de l'église, une immense ridée se forma aussitôt. Le fait de voir ces hommes, pour la plupart en veston ou en smoking, et les femmes en robes longues, danser les danses traditionnelles, prouve que nous avons là l'articulation de la perte des pratiques d'autrefois et du renouveau introduit depuis quelques années dans la reprise des traditions. Ce fut là le seul intérêt de cette noce.